Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Maëva Guénam. Comme vous le savez sans doute, hier, Salia, la mère de la candidate de télé-réalité, a posté une photo d'elle dans sa story sans remarquer que Maëva était derrière, complètement nue. Des internautes ont eu le temps de screener la story et la photo a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Furieuse contre sa mère, Maëva s'était effondrée en larmes. Et je vous jure, j'ai trop les nerfs contre ma mère. Ce qu'elle vient de faire parce qu'elle pose des photos, elle a même pas regardé. J'ai trop les nerfs. Mais s'il vous plaît, commencez même pas à la faire tourner ou quoi la photo. Elle a pas fait exprès, j'ai trop la haine contre elle, je vous jure. Depuis cette histoire, la mère de Maëva a disparu des réseaux. Dans sa dernière story, elle était encore avec sa fille. C'était juste avant qu'elle publie la fameuse photo. De son côté, Maëva a juste posté deux messages dans lesquels elle explique être au plus mal. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je suis très très fatiguée. J'ai pas fermé l'œil de la nuit puisque Maëva était malade. Du coup, cet après-midi, je me suis endormie. Je viens à peine de me réveiller. Je n'en peux plus. Allez, je me prépare. En tout cas, cette histoire a beaucoup fait réagir sur les réseaux. Hier, Maëva était en TT France sur Twitter. Regardez. Mais selon le compte Instagram qui dit être la cousine de Maëva, les choses auraient dégénéré entre la Marseillaise et sa mère. Après la publication de cette photo, Maëva s'en serait violemment pris à sa mère. Attention, tout ça est évidemment à prendre avec des pincettes et ne repose pour le moment sur aucune preuve. Avant de vous laisser avec les révélations choc, je remercie Le Solitaire, Saskia et Christina qui ont été les premiers à commenter notre dernière vidéo. Si vous souhaitez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter.